Aujourd'hui à l'émission, eh bien, nous avons la chance de recevoir le skieur Louis-Pierre Elie qui est de retour chez lui après son accident en janvier. Durant un entraînement, Elie avait fait une vilaine chute qui lui a causé une commotion cérébrale. Il s'est aussi brisé la jambe. C'est donc, eh bien, avec un très grand plaisir que nous le recevons dans nos studios pour discuter un peu avec lui, revenir un peu aussi sur cet accident-là qui a lieu, mais aussi faire un bon tracé de sa carrière jusqu'à présent. Donc, Louis-Pierre, si tu veux bien t'avancer. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Pas si mal, oui. Pas si mal. Bon, la blessure, on n'a pas le choix, il faut revenir là-dessus. C'est ce qui t'amène un peu chez nous. Mm-hmm. Cette blessure-là, comment ça s'est passé, là? Ça se passe extrêmement vite en descente, la discipline que je pratique. Puis je suis allé dans le fond, c'était à la Coupe du monde de Bormio en Italie. Puis je suis un petit peu parti de côté, c'est une fraction de seconde. Puis je me suis cogné la tête, puis après ça, je ne me rappelle plus de rien. Mais j'ai eu une commotion cérébrale, puis après ça, à l'hôpital, ils m'ont dit que j'avais le genou déchiré, le ligament croisé antérieur. Alors, je suis ici maintenant. Ouais. Donc, bon, c'était quand même une chute qui s'est passée à une vitesse assez grande, là, d'après ce que j'ai compris. Effectivement, ça s'est passé en environ 110-120 km/h, oui. Puis, mais tu sais, c'est le sport que je pratique. J'aime ça, la vitesse. Nous autres, c'est l'adrénaline qu'on a. On pousse à fond, on connaît les risques. Puis les risques, c'est de tomber et se faire mal. Justement, est-ce que vous avez des petites techniques là, pour peut-être éviter de tomber ou si vous sentez que vous tombez là, pour essayer de stabiliser votre chute? Non. On essaye surtout de ne pas tomber. C'est pas mal ça qu'on essaye. Oui, donc quand ça arrive, ouais. Bien, on a... Si on sait que ça va arriver de temps en temps, on essaie de minimaliser les dommages, mais c'est juste qu'on pousse tellement fort pour avoir le meilleur temps. Donc, on prend des risques plus grands, couper un petit peu la ligne de course, puis des fois, ça arrive. Là, ben, c'était juste un entraînement en plus, donc ça ouais. Compte pas nécessairement. C'est dommage pour ça. Mais c'est... bon, après ça, bon, le diagnostic est bon. Là. Après la blessure, ça va bien. La jambe, tout est correct. Oui, ça fait 2 semaines aujourd'hui que j'ai eu ma chirurgie. J'ai un nouveau croisé antérieur maintenant. Je suis en réhabilitation, je marche déjà, je fais déjà du vélo. Alors, je suis pas mal content de comment ça se passe présentement. Donc, bon, ça, il n'y a aucun risque là, sur ta carrière. Tu vas pouvoir continuer à faire du ski quand même. Là. Oui, effectivement, j'ai tous mes amis présentement, à part un. C'est jamais déchiré le genou. Alors, je dirais 14 sur 17 sur l'équipe canadienne de ski qui se sont déjà déchirés. Ils sont encore en ski présentement. Donc, bon, c'est pas trop dramatique pour non. Ça. Au moins, on peut s'entendre. C'est ça. C'est juste que ma saison a terminé, malheureusement, après mon meilleur résultat à vie la semaine d'avant. Mais sauf que je vais être là pour l'année prochaine. Donc, bon, c'est quand même un bon recommencement. L'année prochaine, on peut se dire qu'on va faire mieux. Exactement. Parce que déjà, on était sur la bonne voie. Là. C'était le meilleur temps que tu avais déjà fait, mm-hmm. que tu n'avais jamais fait. Donc, c'est bon regard pour l'avenir, là, finalement. Exactement. C'est juste d'année en année, il faut monter. Mon père m'a toujours dit « petit train va loin ». Puis je prends ça. Moi, je monte d'année en année. C'est s'améliorer à chaque course qui est super important. Alors, pour moi, l'an prochain, ça va être surtout de travailler cet été, remettre mon genou à 100%, travailler sur les skis jusqu'au mois de novembre, puis fin novembre, la première compétition. Donc là, présentement, la prochaine étape, là, c'est la réhabilitation. Ça, où est-ce que tu vas faire ça? Présentement, je le fais depuis peut-être 2 semaines à Repentigny, chez la physiothérapeute. Tous les jours, je vais là-bas. Après ça, je m'en vais à Calgary avec le physiothérapeute de l'équipe canadienne de ski. Puis ça va être pendant 6 mois de temps. Donc, bon, pour l'instant, c'est pas trop douloureux. Ça va bien? C'est quand même un peu douloureux. J'ai quand même eu des outils partout dans le genou il y a 2 semaines, mais ça va bien vu que je marche et puis je fais du vélo. Je suis pas mal content de ça. Puis bon, la carrière maintenant, comment est-ce qu'on voit ça pour l'avenir présentement, là, la projection à long terme? Le ski, c'est surtout d'année en année.
faut voir ça. Sauf que moi, avec les résultats que j'ai eus, j'ai été capable de prouver que j'étais capable d'être dans les 15 meilleurs au monde. Ce qui est quand même pas rien. C'est quand même pas rien, ouais. Faut se le dire quand même. Ouais, c'est quand même une Coupe du monde. C'est les meilleurs skieurs au monde qui se présentent à chaque course-là. Mm-hmm. Alors, pour moi, l'an prochain, ça va être de faire d'autres résultats comme ça. Je suis capable de le faire. J'ai mes coéquipiers qui gagnent les Coupes du monde, qui finissent dans les trois premiers. Puis à l'entraînement, je suis tout le temps avec eux autres. Des fois, je les bats. Alors, pour moi, c'est juste de pouvoir prouver, puis de pousser aussi fort, de juste pas tomber. C'est juste pour éviter, ouais. Il faut éviter de tomber, c'est ça. La dernière compétition, je pense, ta meilleure, c'était 12e mondial. 13e, ouais. 13e, c'est ça, juste ouais. En arrière d'Éric Guay, si exactement. Je me souviens bien. Exactement. Quand même, bon, on sait qu'Éric Guay a eu de très bons résultats. Mm-hmm. Ça doit être un petit honneur en soi de se dire qu'on est juste derrière lui. Et donc, le prochain pas s'en vient, là. Effectivement, mais moi, on s'entraîne toujours ensemble. Je vais rester avec lui, avec Éric Guay, à Calgary. Et puis, c'est sûr que quand tout l'été, tu es quelques centièmes en avant, quelques centièmes en arrière, tu te dis pendant les compétitions, à un moment donné, ça va arriver. Puis là, c'est arrivé. J'ai finalement été capable de prouver que j'étais capable d'être avec eux autres. Ouais. Que tu fais partie de l'élite des skieurs. Exactement, du monde. Ouais. Est-ce qu'il y a justement une petite compétition là, avec Éric Guay qui se fait? C'est qui va être la meilleure entre les deux? Non, pas pour l'instant. Surtout, lui, il me dit beaucoup de trucs, vu que c'est un vétéran sur la Coupe du monde. Moi, je suis nouveau, j'apprends les pistes qui sont extrêmement difficiles. Les sauts, il y a des sauts de 60 mètres de long. Ouais. Alors, lui, il me dit tous les petits trucs, puis il est super content quand on arrive proche. Donc, quand même, c'est un bon mentor là, pour toi. Oui, extrêmement bon mentor. Ouais. Sans lui, je pense que ça serait pas mal difficile. Parce que souvent, on arrive à des places que, comme là-bas à Val-Gardena, quand je suis arrivé 13e, le saut, il est... le premier coup que tu arrives devant, c'est extrêmement épeurant. C'est vraiment épeurant, là, c'est ça. 50 pieds de haut dans les airs, puis tu vas t'atterrir l'autre côté. Alors, c'est... Là-dedans, il faut que tu fasses une espèce de petite pirouette ou quelque chose comme ça? Ou non, non, c'est non, pas c'est... nécessairement... Non, il faut que tu sois le plus compact possible pour aller le plus vite en bas. OK. Ouais. Donc, c'est pas nécessairement bon acrobatique. Là. Non, c'est non, plus, du tout. Il y a c'est vraiment très, très rapide, là, ouais. Finalement. Le plus rapide. Celui qui est capable d'aller le plus vite en bas. Fait que ça peut atteindre quelle vitesse, là, cette vitesse de pointe-là, en descendant sur un saut? 140 km/h. En chute libre, dans les airs. Ouais, exactement. 140 ouais. km/h en chute libre. Ouais. Donc, mettons que t'es mieux de bien l'atterrir parce ouais. que sinon, ça peut être très dangereux. C'est mieux d'être en bonne forme quand t'arrives sur le saut parce que sinon, c'est impossible. Est-ce que justement, il y a un gros entraînement à faire là, pour ce genre de compétition-là? Parce que ça doit être dur sur le physique aussi. Atterrir à 100 km/h sur une piste de ski. On s'entraîne, je te dirais, tous les jours l'été, entre 5 et 6 heures par jour au gym. Pas juste des poids, mais surtout de l'agilité, des sauts, des choses comme ça, pour vraiment aller chercher tous les muscles sur notre corps, parce que le ski, c'est extrêmement physique. C'est juste 2 minutes et demie maximum. Sauf qu'on arrive en bas, même s'il fait moins 35, t'arrives en bas, puis t'as la goutte de sueur. La sueur quand même. Ouais, juste après 2 minutes, puis il fait moins 35 dehors. C'est tellement intense. C'est ce que j'avais demandé, dans le fond, un peu. Les muscles qui travaillent là, dans le ski, c'est pas nécessairement juste les muscles des jambes. Là. C'est un peu partout. Non, là. Non c'est les jambes, la ceinture abdominale, beaucoup. Puis, le muscle ici en dedans aussi, il faut qu'il travaille énormément. Le petit cerveau doit travailler un peu. Ah oui, énormément. Dans le fond, quand on est en ski comme ça, là, est-ce qu'on n'est pas un peu dans sa bulle? Est-ce qu'on a conscience un peu de la réalité là, de qu'est-ce qui se passe quand on descend à 100 km/h dans une piste? On n'a pas trop conscience, non, parce que on apprend la piste par cœur. On est tellement focus avant de partir. On connaît la piste, on visualise pendant des demi-heures avant. Puis quand on est dedans, on essaie de mettre tout ce qu'on veut faire sur la piste. Alors, on pense pas trop à ce qui se passe à l'extérieur. Mais c'est ça, dans le fond, un peu le beau de la chose. C'est ce qui fait que tu apprécies ce sport-là, je pense. Exactement, oui.
Donc, finalement, c'est une bonne chose en soi. C'est le feeling qu'on a une fois sur la piste. Ouais, le feeling qu'on a sur la piste, en haut départ, quand tu sais que tu es capable de faire un bon temps, mais tu vas quand même, tu vas risquer ta vie. Puis le feeling que quand tu arrives en bas, tu regardes ton temps, puis tu as un bon temps, là, ça, ce feeling-là, c'est incroyable. Puis c'est quoi, mettons, les objectifs là, pour l'avenir? Vises-tu quelque chose précisément? Je vise d'être dans les 30 premiers à la fin de l'année pour l'an prochain, ce qui est extrêmement bon. C'est être dans les 30 premiers, il faut faire au moins 4 top 20, 3 top 15. Alors, c'est vraiment... C'est du sport quand même. Hein? C'est du sport, oui. C'est le cas de le dire. Ouais. Donc, les 30 premiers, c'est réaliste pour toi? Oui, c'est réaliste. Ouais. Donc, bon, ça s'en vient quand même bien. Il s'agit juste de poursuivre l'entraînement, poursuivre aussi, dans le fond, la réhabilitation. Parce que là, on n'a pas le choix. Il va falloir remettre les jambes en place. Exactement. Je vais travailler fort cet été. C'est le but. Alors, je suis prêt.